Bonjour Bruno de Cambiar, vous avez accepté de venir sur le plateau de Biznext à la Cité mondiale et on vous en remercie vivement. Vous êtes le parrain du prix Jeune Talent et vous êtes le directeur général d'Ixo Private Equity qui se trouve dans le siège Sovereign Apparat à Toulouse. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler un petit peu ce que représente le point entre guillemets de Ixo pardon, dans le sud-ouest et où se trouve au marché quoi, en fait. D'accord. Donc un petit rappel, hein. Oui. Ixo effectivement est... opère depuis plus de 25 ans sur les terres du Grand Sud de la France, avec des implantations régionales. Le siège est à Toulouse, mais nous sommes également présents à Bordeaux, Marseille et Lyon. Donc nous avons une couverture Grand Sud. Nous gérons aujourd'hui un peu plus de 500 millions que nous déployons à un rythme de 60 millions d'investissements par an. D'accord. Voilà. Donc nous accompagnons entre 8 et 12 entreprises. Entreprises qui sont en développement, en transmission, les deux hein, parfois, et nous accompagnons des équipes managériales dans la pérennité et le développement des entreprises. Vous arrive-t-il de vous intéresser à des jeunes entreprises ou des pas trop vieilles? On va dire ben, jeunes, bon, ça peut aller loin, mais vous n'êtes pas de capital risque, quoi. Je veux dire, c'est plutôt du capital développement et. Du LBO pour le développement des sociétés. Voilà. Oui, exactement, dans la grande majorité des cas. Mais il se trouve que nous savons détecter des belles pépites. Comme je mentionnais tout à l'heure à la remise des prix, la société Sigfox est un exemple de start-up que nous accompagnons depuis 6 ans. Nous connaissions le dirigeant sur d'autres aventures, Ludovic Lemoine, et nous avons successivement participé à 3 augmentations de capital, dont la dernière, cette année, au mois d'avril 2015, a représenté un peu plus de 100 millions pour une start-up qui a une envergure mondiale aujourd'hui. Voilà. Ça vous arrive de devenir actionnaire dans ces cas-là, quand il y a des prises de risque importantes potentiellement, mais que vous connaissez quand même bien les... Voilà, on est très sélectif sur les start-up. Voilà, hein, il faut qu'il y ait une bonne accointance, un bon angle d'attaque avec un dirigeant. Qui a déjà fait ses preuves par ailleurs et qui a une technologie à éprouver, mais qui nous a convaincus du bien fondé et de la pertinence de sa techno. Quel est, entre guillemets, le ticket moyen que vous prenez dans des entreprises en moyenne? Enfin, c'est un cas un peu général, mais vous intervenez à quelle hauteur Alors, pour nous, si vous voulez, le ticket moyen peut représenter quelque chose, on est autour de 7 millions, hein, mais on peut démarrer à partir de 2 millions. D'accord. Donc c'est des entreprises déjà qui s'adressent à un peu plus matures. Et on peut aller jusqu'à 15-16 millions hein, sur une même entreprise. Oui, ce qui est quand même considérable, on peut le dire, à l'échelle du sud de la France. Bon, c'est quand même, Pour des PME indépendantes, oui, c'est un spectre d'intervention qui est large hein, et qui permet d'accompagner de belles entreprises du stade TPE, PME, ETI, en étant soit minoritaire, soit majoritaire. D'accord. Quand vous êtes minoritaire, vous restez combien de temps au capital en moyenne? Alors, en général, les durées d'investissement sont calées à peu près sur un cycle d'investissement industriel, hein, donc de l'ordre de 5 à 7 ans. D'accord. Mais il nous arrive, sur un certain nombre d'entreprises du portefeuille, d'être présent depuis déjà une quinzaine d'années à la suite de 3 opérations. D'accord. Soit en majoritaire, soit en minoritaire, soit en rapprochement d'entreprise. Voilà. Quand il y a de la croissance, quand il y a une bonne entente avec les équipes, on peut participer à plusieurs montages successifs. Vous êtes très proche des entreprises. Est-ce que les 2 dernières années, vous avez vu une évolution post-2008, c'est-à-dire un peu plus favorable, sortie de crise, entre guillemets, ou est-ce que vous êtes c'est plutôt stable de votre point de vue en tant que pouls, un petit peu preneur de pouls de l'activité économique, vous voyez ça comment? En fait, on n'a pas arrêté d'investir. D'accord. Hein, donc la crise nous a tous rattrapés. 2008, on a investi. 2009, 2010, 11, 12 ont été des années d'étillage un peu plus bas. Hein, mais on a continué à investir, à soutenir les entreprises porteurs de projets intéressants. Ce qui ne nous a pas aidé, c'était l'instabilité fiscale pour les dirigeants, donc il y a gelé pas mal d'opérations en 2012-2013. Aujourd'hui, on a une certaine visibilité, on attend la loi de finances 2016, mais normalement, les projets vont continuer à arriver parce que nous savons les sélectionner, nous savons aller les chercher
et convaincre les dirigeants de monter des opérations. Bruno de Cambien, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau. Je vous dis à bientôt parce que Ixo est quand même une entreprise qui compte beaucoup dans les finances dans le sud de la France, du sud-ouest en particulier. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.